Salut à tous les amis, c'est Crash Override pour une nouvelle vidéo. C'est vendredi, il fait pire beau aujourd'hui, une très très grosse journée. Je viens de sortir des cours, je suis avec un pote. Hey Lilo, hey, dis bonjour. Et on va m'apprendre à faire du downhill, à freiner plutôt. Vu que j'ai pas pris ma casquette et que j'aime pas mes cheveux, bah j'ai mis le casque. Ciao. Salut. Quoi, faire un kick? Putain, je viens de finir le skate. J'arrive déjà à rentrer quelques slides. Je sais pas si j'ai pu vous filmer ça. La caméra qui est là. C'est pas très très fiable, disons. Mais putain, les gens sont tellement cool là-bas. Vous arrivez, c'est la première fois. Les gens ils vous aident, ils sont hyper ouverts. C'est super cool. Bref, maintenant je vais aller chez Tim. Tim, bon voilà hein. On va aller à la piscine parce qu'il fait vraiment très chaud. Ça fait du bien, c'est la première piscine du mois. Donc, parti. Aussi, vous parlez d'un truc. Ça doit faire genre 6 mois que... Enfin, ça fait un an que je fais du skate. 6 mois que j'ai une longboard. Genre, j'ai toujours voulu faire du downhill. Enfin, apprendre à freiner et tout. Genre, j'ai jamais osé parce que j'ai trouvé ça trop dangereux. Pour finir, c'est beaucoup plus simple que ce que je pensais. Mais franchement, si vous avez un projet, vous voulez vraiment le faire, si l'envie y est, lancez-vous. Et vous vous rendrez compte que c'est pas si difficile en fin de compte. Que ce soit n'importe quoi. Bonjour. Salut. Chez Tim, on va aller à la piscine, je vais pas prendre un osmo avec moi, donc je vais presque filmer mon téléphone, donc désolé pour la baisse des qualités, je suis au moins désolé. Pardonne-moi. À la piscine. Putain. T'es chaud pour faire quelques plongeons? Je suis chaud, tu fermes ta gueule. Terminé, c'était plutôt cool. Ciao. Ok, viens de lâcher Tim dans le bus. Putain, je me sens tellement bien après la piscine et la longboard. C'est genre parfait. Un petit coup de longboard, il fait bien chaud. Un petit coup de piscine. Quand je vous parlais tout à l'heure de oser faire les choses, j'aimerais approfondir un peu. Des fois, des opportunités arrivent à vous et souvent. Enfin, avant, moi, j'étais comme ça, en tout cas. Souvent, je refuse de les saisir parce que le temps me manquait ou bien j'avais d'autres choses à faire. Mais je savais que c'était des choses qui me plaisaient vraiment. Donc, du coup, avant, je me sentais pas très très bien dans ma peau parce qu'à chaque fois qu'il y avait des opportunités bien qui pouvaient améliorer ma vie, je prenais pas pour être dans ma sphère de sécurité. Et franchement, faites pas comme moi. Dès que vous avez une opportunité de faire quelque chose que vous aimez faire, foncez, ne lâchez pas. Et si vous faites de la longboard et vous voulez apprendre à slide, déjà j'arrive à slide maintenant, j'arrive à freiner avec, ça c'est super cool. Si vous voulez apprendre à slide, si j'ai un conseil à vous donner, c'est oser le faire. Le slide, c'est très très simple. En tout cas, il y a deux types de slide. Le front, c'est très très simple. Vous risquez pas trop de vous faire mal, du moins en tout cas prenez vos protections, c'est sûr. Mais c'est très simple. Le truc, c'est qu'il faut oser. Ça fait très très peur au début, mais vous verrez, c'est très très simple. Donc, normalement, osez le faire et puis n'hésitez pas à le... Putain, je suis à pied là, j'ai prêté ma longboard à Tim. Je déteste aller à pied, c'est trop long. J'ai l'impression qu'aller jusqu'au feu, ça va prendre genre une éternité. Maintenant, je vais rentrer chez moi, un petit dîner de famille. Évidemment, c'est un dîner de famille, donc j'ai pas trop filmé. C'est un peu familial. Du coup, je vous rejoins après, je vais aller chez Alexandre après, Anaxel. Si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, Anaxel, c'est le mec avec qui je faisais des vidéos GTA. C'est un très bon pote à moi. Je vais aller dormir chez lui parce que demain, c'est journée piscine, journée barbecue. Donc je vais dormir chez lui. Je vais l'aider un petit peu à organiser tout ça. On se retrouve là-bas, je pense. Bon, c'est parti pour aller chez Alexandre. J'ai à peu près une heure de route, c'est assez loin. Donc voilà, c'est parti. Je suis désolé, je ne vous ai pas filmé le dîner de famille, mais c'est vraiment... Enfin... Une famille, c'est beaucoup de gens grands qui parlent.
et des gens jeunes comme moi qui parlent pas et qui mangent. Ça, c'est chiant. Après la piscine, on retourne à la piscine. Je suis chez Alexandre. Salut Alexandre. Salut, salut, viens, on fait l'amour. C'est quoi? Oh putain, c'est quoi? En plus, il y a Naomi et Eva. voilà, si vous me regardez. Elles ont prévu un match. Ce truc, c'est. Tu mets. Ce truc, tu mets à l'envers. Ça, il y a un mec qui fait la piscine. Oup! Dans la gueule. L'humour. Hein. Je le dis devant la caméra, je suis un peu gêné. Tu refais la même chose, mais tu vois, c'est pour le spectacle. C'est un jeu d'acteur. Oui, parce qu'en fait, j'ai pas pu filmer. Attends, voilà. J'ai dit un truc à maman. Je lui ai dit, prends un petit peu de boisson. On en manque une. Tu fais vraiment bien en fait là. Le... non, sérieux? Non, je lui ai dit, prends un petit peu de bière. Et puis elle a fait ça. C'est plus 3 fois ça. En fait, je m'en bats complètement du coup. Moi, ce qui m'importe, c'est ça. Oui, bah, tiens, cadeau. Merci. Salut, je suis venu que pour ça. Allez. Ciao. C'est cool. Et un aspirateur aussi. Le noir. J'aime pas le noir, j'ai peur. Bon, au programme en fait, ce soir je vais dormir chez Alex et demain on va faire. J'en prends contre jour. Pas du tout contre jour. Ça propose, regarde. Non, non, mais non, en mais fait, je te montre un truc. C'est bien je te montre un coup, truc. J'ai pas, j'ai pas besoin de me coiffer. Ah. Alors moi je peux montrer. Du coup, demain on va faire une petite journée barbecue piscine. Absolument. Avec à 7 minutes. Oui, deux. Ouais, mais c'est pas joli. Beaucoup mieux. Voilà, la vidéo est terminée. Tu peux t'abonner ou liker. Et même si tu veux partager.